La voiture électrique est-elle un truc de riche? Est-ce que c'est en fait un cercle de bobos parisiens pleins aux as qui essayent d'imposer à toute la population la voiture électrique? C'est vraiment une question que je me pose depuis longtemps parce que le coût de la voiture électrique, il est gigantesque par rapport au coût de la voiture essence. Et on a beau nous dire que ça revient moins cher à l'utilisation, je pense que personne n'est dupe. Dès que la voiture électrique sera généralisée, les taxes vont augmenter. J'ai déjà pu faire une vidéo que vous trouverez dans la playlist là-dessus, la playlist voiture électrique. Hein. Il y a aujourd'hui des taxes, notamment kilomètres, qui ont été mises en place dans plusieurs pays où la voiture électrique a été massivement utilisée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, l'essence, ça représente un peu plus de 40 milliards pour l'État, qu'on voit qu'il ne veut même pas baisser ses taxes sur l'essence quand celle-ci commence à dépasser 2 euros et qu'il demande aux supermarchés, aux distributeurs de comprimer leurs marges, eux qui gagnent 1%, hein, l'État c'est 60% du prix de l'essence, les distributeurs c'est 1% et 1 à 3%. Et il leur demande de baisser leurs taxes à eux parce que lui ne peut pas baisser ses taxes. Donc vous imaginez que le jour où on n'utilise plus d'essence et on est tous en train d'utiliser de l'électricité, il y aura fatalement des taxes sur la voiture électrique et probablement une taxe au kilomètre. C'est quelque chose que l'on voit maintenant dans plusieurs autres pays. Bref, est-ce que la voiture électrique, c'est pas tout simplement un truc de bobo du 8e arrondissement qu'on essaye d'imposer à tout le monde? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'ai trouvé un article que j'ai trouvé très intéressant là-dessus, un article de Numérama. La voiture électrique est-elle un truc de riche? Attends, je vais essayer de replacer ça parce que je trouve que c'est un peu moche. Bon, j'arrive pas à faire plus. Ouais, mais là, vous voyez pas grand-chose, on va faire mieux. Voilà. Entre ceux qui peuvent acheter une voiture électrique et les autres, le torchon brûle. Ce n'est pas le discours des membres du gouvernement affirmant que la voiture électrique est élitiste qui va apaiser le débat. Retrouvez aujourd'hui le sujet de l'édito de la newsletter de What Else du 28 septembre. Si même les dirigeants politiques se mettent à dire que la voiture électrique est réservée aux élites et aux plus riches, où va-t-on? Le message n'est pas faux. Mais si on veut que les Français ne rejettent pas en bloc la voiture électrique, ce n'est pas une idée de génie. À quand une voiture électrique populaire? Spoiler, vous allez voir, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Concrètement, la voiture électrique est chère à l'achat. L'entrée de gamme n'en a que le nom, puisque la voiture la moins chère, la Dacia Spring, débute aujourd'hui à 20 700 euros pour un modèle fabriqué en Chine. La majorité de l'offre des voitures électriques est concentrée sur une fourchette allant de 40 000 à 50 000 euros. C'est forcément une dépense qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. À la différence de la Chine, en Europe, l'offre ne correspond pas à la demande. Et ça, c'est ce que je reproche moi le plus à la voiture électrique. Entendons-nous bien, je n'ai rien du tout contre la voiture électrique. Je n'ai jamais rien contre la technologie. Mais le problème là, c'est qu'on n'a pas une rencontre de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que ce n'est pas le consommateur qui a envie de voiture électrique, en dehors de ceux qui achètent des Tesla parce que c'est une belle bagnole, parce que ça fait un peu classe et parce que c'est un peu luxe. Et elles sont très bien. Je suis monté dans un taxi Tesla il y a quelques temps. C'est top. Il n'y a rien à dire. Mais en dehors de ces gens, il n'y a pas une demande pour la voiture électrique.
Et d'ailleurs, on voit qu'actuellement, les ventes sont en baisse. J'ai fait une vidéo là-dessus. Les ventes actuellement sont en baisse sur la voiture électrique parce que vous avez eu les premiers acheteurs qui sont arrivés. Donc, il y avait les fous furieux de Tesla. Je le dis gentiment, hein. C'est-à-dire les gens, c'est Elon Musk, c'est Tesla, c'est merveilleux. Donc, qui ont acheté des Tesla, qui sont des très belles bagnoles. Vous avez eu les bobos. Non, je le dis plus affectueusement. Vous avez eu tous ceux qui se disent, bah ouais, c'est un geste pour la planète, et moi, de toute manière, je ne roule pas énormément. Donc, une voiture électrique, c'est très bien. Moi, je pense à mon père qui ne l'a pas fait, mais qui avait réfléchi à acheter une voiture électrique parce que de sa maison de campagne à la petite ville où il fait ses courses, il y a 20 km. Et que, bah voilà, c'est pas, ça allait très bien quoi, pour ses déplacements. C'était parfait. Il ramenait la voiture, il la chargeait dans son garage, c'était impeccable. Bon, finalement, il n'a pas fait, mais vous voyez. Tous les gens comme ça ont acheté. Et en ce moment, on a un ralentissement des ventes de voitures électriques parce que les autres, bah, les gros rouleurs, savent bien que c'est un enfer. Les gros rouleurs, ils savent bien que c'est un enfer. Ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir deux voitures pour leur famille, qui n'en ont qu'une et qui de temps en temps font 500 km pour partir en vacances, ils n'ont aucune envie de s'arrêter pendant 2 heures à chaque fois qu'ils rechargent. Parce que vous avez le temps de recharge, vous, 20 minutes. Mais il suffit qu'il y ait trois voitures devant vous, et une pompe à essence, ce n'est pas un problème, mais à une station de recharge, et ben, trois voitures devant vous, c'est 1 heure d'attente. Donc voilà, on a tous vu des images de queues incessantes de Tesla où vous avez 40 bagnoles qui attendent pour pouvoir se charger parce que parce que c'est super long, quoi. Donc voilà. Donc on a actuellement. Moi, ce que je reproche à la voiture électrique, c'est que, en fait, on n'a pas une offre et une demande qui se rencontrent. On a un gouvernement qui, pour des raisons purement idéologiques, veut. Je dis un gouvernement, c'est Macron comme l'Europe, hein, donc deux gouvernements, si vous voulez, qui veulent, pour des raisons purement idéologiques, imposer la voiture électrique à leur peuple. Ce n'est pas le peuple qui en veut, c'est les. C'est un gouvernement qui veut l'imposer. Et c'est là-dessus que je freine, parce que sinon, je pense que ça, en soi, ça ne poserait pas. Là, ça va poser un tas de problèmes. Bon, ce n'est pas le sujet de l'article dont j'en parlerai pas, mais on peut juste déjà se dire comment on fera pour charger les bagnoles. Comment on fera pour charger les bagnoles en 2035? Ils veulent que de la voiture électrique en 2035, en vente. Ça va être très, très compliqué de charger les voitures. Très compliqué. Alors, pour donner l'impression que les prix ne s'envolent pas, la voiture moderne se loue. Ça, c'est une sacrée arnaque aussi. Les clients ont le choix entre deux offres. La location avec option d'achat, la LOA, avec la possibilité d'acquérir le véhicule à la fin du contrat, ou en location longue durée, la LLD. Dans laquelle on repart avec un véhicule après la durée établie. Un peu comme les Américains qui consomment tout à crédit, les Français cèdent peu à peu à la tendance. Ça, j'aimerais bien savoir si vous cédez à la tendance. Moi, honnêtement, je suis totalement contre. C'est-à-dire le crédit à la consommation. Enfin, contre. Je suis libertarien, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Pour moi, pour mes finances personnelles, je n'ai aucune dette. Aucune. Aujourd'hui, je n'ai aucune dette. Et je pense que c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que le crédit à la consommation, c'est-à-dire les cartes de crédit, vous allez payer votre frigidaire ou votre télé en 3 fois, je pense que ça vous appauvrit très fortement. Ça vous appauvrit très fortement. Vous en rendez pas compte, c'est tout. Mais ça appauvrit très fortement. D'autant plus que généralement les taux sont très élevés. Le LLD ou la LOA, je pense que ça appauvrit les gens très fortement. Très fortement. Vous en rendez pas compte, c'est tout. Mais petit à petit, ça grignote votre budget et vous vous retrouvez avec des dépenses contraintes. C'est-à-dire que quand on va vous vendre une LOA à 100 euros, on va reparler de ça après, mais vous avez votre abonnement Netflix, votre abonnement Amazon Prime. La LOA à 100 ou 200 euros, vous avez ceci, vous avez cela, etc.
et vos dépenses contraintes prennent petit à petit tout votre budget. Et à chaque fois, ce sont des marges. Il ne faut pas croire que les gens qui vont faire une location avec option d'achat ou des choses comme ça ne prennent pas de marge. Ils prennent des marges de malade. De malade. Et je pense que c'est un vrai... Enfin, je pense que ça appauvrit beaucoup les gens. Moi, je suis contre, je ne le fais pas pour moi. Je crois que j'avais fait dans mon entreprise pour mes commerciaux, c'était deux bagnoles. Voilà. Mais moi, à titre personnel, je ne le fais jamais. Dites-moi, ou c'était des... Non, c'était des locations longue durée, ouais, que j'avais dans mon entreprise pour les bagnoles. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il y avait deux ou trois commerciaux qui avaient ça. Mais moi, à titre personnel, je ne le fais jamais. Dites-moi si vous l'avez fait et si vous trouvez que c'est intéressant de le faire. Ou si vous faites du crédit à la consommation, vous trouvez que c'est une bonne chose. Je pense, moi, que ça vous appauvrit très sérieusement, mais je peux me tromper, j'accepte de me tromper. Voilà, je ne le fais pas à titre personnel. Il est toujours psychologiquement moins douloureux de faire sortir 100, 200 ou 300 euros par mois, même si à la fin, comme au casino, c'est toujours la banque qui gagne. C'est vraiment ce message que je vais vous faire passer. C'est toujours eux qui gagnent, quoi. Vous êtes pas, vous pouvez pas être gagnant là-dedans et c'est vraiment pas... bon, moi, je pense que c'est vraiment pas une bonne chose. Mais dites-moi, hein, si vous avez un avis contraire, n'hésite pas. Par contre, si les prix des voitures électriques suivent une logique de positionnement face à la concurrence, sur les mensualités de leasing, c'est la jungle. Je vous dis... Croyez pas qu'ils prennent pas de marge, quoi. Vous savez, c'est un peu comme le taux de crédit à la consommation. Généralement, il est très élevé, ce taux de crédit à la consommation. Il est à la limite du taux d'usure tout le temps. Vous appauvrissez, en fait. Vous enrichissez la banque. Et le leasing, c'est la même chose. Vous enrichissez la banque, en fait. Vous appauvrissez, vous. Pour deux modèles équivalents, l'écart de prix peut varier du simple au double. Attention aussi, là aussi, s'il y a des témoignages de gens où vous avez testé, où vous faites une LLD ou une LOA, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Moi, je dis que je ne le ferai jamais. Et après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Mais si vous l'avez fait, dites-moi, voilà, et que vous avez testé avec deux prêteurs différents et que vous avez eu un gros écart, dites-le nous. Attention aussi à ne pas se faire avoir par les offres publicitaires des constructeurs. Les prix d'appel sont toujours attractifs, comme les offres à 99 euros par mois. Mais chez beaucoup de constructeurs, l'entrée de gamme est rarement le modèle qui sera vraiment vendu aux clients. Il y a parfois un écart entre l'abonnement d'appel et l'abonnement de la version signée, ce qui, pour le coup, n'arrive pas ou peu chez Tesla. Je pense, moi, que Tesla est un cas très particulier, donc je ne vais pas en parler. C'est de la belle voiture, c'est de la voiture qui fait envie, c'est de la voiture qui fait rêver. En plus, Elon Musk a un côté un peu magnétique. Et voilà, donc Tesla est peut-être un peu différent des autres. Enfin, ceci dit, je ne ferai pas non plus de LOA ou de LLD avec Tesla, soyons clairs. La baisse des prix des voitures électriques, une utopie. Les early adopteurs payent toujours la nouveauté au prix fort. Puis, quand la technologie devient mature, les prix baissent naturellement. J'en avais parlé, j'ai fait une vidéo sur Draw My Economy, sur justement le fait que les prix baissent avec l'augmentation de la production. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve tout le temps en économie. C'est pour ça que quand je faisais des cours d'économie, entre guillemets, sur Draw My Economy, j'en avais parlé. L'arrivée en 2024 puis 2025 de modèles plus abordables autour de 25 000 euros. Les modèles plus abordables autour de 25 000 euros, ça me fait tiquer, moi, devraient permettre de pousser un public plus large vers la voiture électrique. Et peut-être, enfin,
de casser l'image d'une voiture électrique réservée à la classe moyenne et supérieure. Excusez-moi, mais 25 000 euros une bagnole, c'est cher. En essence, pour 25 000 euros, vous avez une belle bagnole. Une très belle voiture, je trouve. Enfin, dans mon esprit, hein. Mais 25 000 euros une voiture. Et peut-être enfin casser l'image. Un autre acteur pourrait aussi dynamiser tout cela, c'est Elon Musk avec Tesla. Si Tesla lance prochainement son modèle abordable, cela pourrait créer un sacré mouvement de fond. Bienvenue pour l'adoption de la voiture électrique. Un tarif qui ne doit pas se juger à l'achat. Et c'est là que je ne suis pas d'accord. On va voir, je vais le dire tout à l'heure, hein, mais... La voiture électrique, même si Tesla a un prix abordable, même si la voiture est à 25 000 euros, vous l'achetez rarement. Vous allez faire en LLD ou en LOA. Et je pense vraiment que, quoi qu'on en dise, hein, vous allez payer la banque, payer la banque, payer la banque, payer la banque. Un tarif qui ne doit pas se juger qu'à l'achat. C'est là que j'ai un doute. Par ailleurs, c'est pour tout le cycle de vie qu'il faudrait faire la comparaison entre les véhicules électriques et thermiques. À ce jeu-là, la voiture électrique réduit l'écart à l'usage. C'est pour cette raison que le gouvernement veut accompagner les ménages les plus modestes à passer à l'électrique avec l'offre de leasing social. Alors, ce n'est pas pour cette raison. Parce que je vous assure que le gouvernement, dès que vous êtes tous passés électrique, il vous met une taxe sur l'électrique. Mais c'est clair comme de l'eau de roche. Quand tout le monde est passé au diesel après des années de matraquage, on a fait augmenter, on a dit, le diesel, ça pollue, c'est pas bien. Donc on l'a fait augmenter, donc c'est pas normal que ça soit moins cher que l'essence. Au lieu de baisser l'essence, on a fait augmenter le diesel pour le mettre au même prix de l'essence. Et l'État a fait, l'État a fait jackpot à la station-service. Je vous assure qu'électrique, c'est la même chose. Aujourd'hui, certes, c'est moins cher de recharger sa voiture électrique que de faire un plein d'essence. Mais je vous assure que si l'État veut que tout le monde passe à l'électrique, ce n'est pas à cause de ça. Parce que dès qu'il y aura plus d'essence, dès que les recettes d'essence vont baisser, on va vous mettre une taxe au kilomètre sur l'électrique. Et on vous dira « la batterie, c'est polluant, c'est dégueulasse ». Bande de salopards, vous avez acheté des batteries électriques. Oh, c'est pas bien. Bon, l'État, parce qu'il est bien, parce qu'il est bon, parce qu'il pense bien et qu'il pense à notre avenir, va maintenant mettre une taxe sur les batteries électriques pour pouvoir les recycler. En quoi ça les recyclera? Donc, on va vous faire une taxe au kilomètre ou une taxe sur la batterie. Et voilà. Mais c'est clair, hein. Je pense que là, la journaliste est un peu optimiste quand elle pense que l'État fait ça pour que ça coûte moins cher aux classes populaires. La voiture, si vraiment il voulait que ça coûte moins cher aux classes populaires, vous voyez, il baisserait le prix de l'essence. Puisque l'essence, c'est principalement des taxes. La voiture neuve reste rarement la porte d'entrée des conducteurs vers la voiture électrique. Pour la plupart d'entre eux, l'adoption passera par le marché de l'occasion. Les constructeurs misent sur ces véhicules de seconde main pour récupérer un marché plus large. Les choses vont bouger dans les prochaines années, mais il faudra encore se montrer patient pour avoir des électriques au prix des thermiques actuels. En attendant, rouler en électrique, c'est chic. Je pense qu'il va falloir être très patient, effectivement, pour avoir des véhicules électriques au prix des thermiques actuels. Je pense qu'à ce moment-là, vous allez avoir des nouvelles taxes qui vont se créer. Et l'occasion, écoutez, on va voir. J'ai dans l'idée qu'une occasion électrique va coûter plus cher qu'une occasion thermique. Je me trompe peut-être, je ne suis pas vraiment le marché automobile, mais voilà, j'ai cette idée-là. Bon, en tout cas, vous, encore une fois... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est
un truc de riche, en fait, qu'on est en train d'essayer d'imposer à toute la population. Je me permets de faire remarquer que l'escorte du président de la République et le président de la République lui-même ne roule pas en électrique. Donc, est-ce que c'est un truc de bobo qu'on essaye de vous imposer? Ou est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous êtes utilisateur de LOA, de LLD? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Ah oui, est-ce que vous pensez que les prix vont baisser? Que les prix de l'électricité vont baisser, que c'est vraiment un truc d'avenir et que ça va être intéressant? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.